I'm repeating, we should pray till September. Nous devons prier jusqu'en till when? Septembre. September. Because if we pray, parce que si nous prions, quelque chose va se passer. There's somebody that they will look for him, they will not find him. On va le chercher, on ne va pas le trouver. But it is between now, let's interpret. It's between now and September. So I'm saying that we should pray. Because the way all our fathers, they are saying Peter, Peter, Peter. Hey, we should pray that they shouldn't hear Tinubu, Tinubu. We should pray till September. We should pray till September. Amen. Nous avons eu affaire une publication il y a quelques semaines en demandant, I was asking our Nigerian brothers to pray. I was asking them to pray and that nobody should be in a haste to proclaim the result because everything will be clear by September. Whatever result has come out now, I can assure you, it's nothing. It's nothing. We will rejoice by September. What will happen will shock the whole world. It will shock the whole world. If I am to tell you what will happen, you people, you will not believe, but it will happen. We honor our father in Nigeria, and all of them have chose their candidate. But I've told you, what if they hear Tinubu? Amen. That was before election. I told you, what if they hear Tinubu? But the truth of the matter is that nothing has happened. You may not believe what I'm saying, but nothing has happened. So let us keep calm and let us be in prayer till September. This coming month will be determinant month for the future, not just of Nigeria, Africa. You will discover that what will happen there will shake all the nations around. So it's something the eyes of the Lord is upon. It's very serious. Amen. It's very serious. So let nobody despair. Nothing has happened. Hallelujah. Ceux du Nigeria, je continue à leur dire ce que nous avons dit ici concernant le Nigeria, que les résultats seront comme ça, et Tinubu va gagner. Mais, août-septembre, vous vous souvenez? Ok. Donc, maintenant, le Nigeria, ils doivent prier. Amen. Des Nigérians manifestaient mercredi devant la cour d'appel d'Abuja qui doit rendre sa décision après le recours de l'opposition contre la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle de février. Nationalité douteuse et absence de diplôme requis sont les griefs portés contre le président nigérian. Nous sommes ici pour assister au travail du pouvoir judiciaire et nous faire savoir que le dernier espoir de l'homme de la rue ou du Nigérian de la rue est entre ses mains. Nous sommes donc ici pour faire savoir aux juges qu'ils devaient faire ce qu'il faut et ne pas forcer les jeunes Nigérians à occuper tous les lieux. Nous attendons, nous restons vigilants et espérons que la bonne décision sera prise. Le pouvoir judiciaire doit être responsable. Il doit suivre la volonté du peuple. Les juges sont Nigérians, leurs enfants aussi. Ils font partie de cette pourriture. Qu'ils nous aident à corriger cette erreur pour une fois. La justice peut soit confirmer la victoire de Bola Tinubu, soit déclarer quelqu'un d'autre vainqueur, soit encore annuler le vote et ordonner une nouvelle élection.